En question. Mr. President, is that working? Mr. President, I rise at this point not to deliberately interrupt my learned friend, but there is a matter of law that has arisen this morning, and I'd like to explain it, please, and invite some further matters to be taken care of. Mr. President, both defence teams have referred now to witness statements in their cross-examination in respect of witnesses who have not testified. I refer to the statements of Heng Samrin yesterday and this morning to the statements of Kho Van Yi, 19.71, and Chion Prasit, which was an OCIJ statement. Now, Mr. President, we have no problem with this, but it impacts upon another important aspect of evidence yet to be decided upon by the trial chamber, namely the OCP application to admit witness statements in lieu of oral testimony. The defence has so far insisted that these statements, insofar as they relate to acts and conduct of the accused, cannot be admitted into evidence unless the makers of these statements testify. Yet they have, over the past 2 days now, referred to these statements in cross-examination, even in circumstances where the statements refer to the acts and conduct of the accused. The defence teams in their responses to the OCP application to admit witness statements in lieu of oral testimony have submitted that the test of exclusion is much wider than acts and conduct and includes pivotal issues, evidence going to important issues, and also even evidence of authority structures. And, Mr. President, impliedly, by the defence teams referring to these statements, it seems that the defence are withdrawing their objections to the admission of such statements absent cross-examination. So my application at this stage is twofold. Firstly, for the defence to confirm its position, and if it is not sufficiently clarified, secondly, for the trial chamber to note my application today as a factor to be considered when the trial chamber ultimately decides whether to admit such statements in lieu of cross-examination. Thank you. Mr. President, une clarification de droit essentielle. Aujourd'hui, dans quelles conditions nous avons utilisé les déclarations dont Monsieur le co-procureur soutient que nous serions en train de nous rétracter de notre
demande d'exclure tous les éléments relatifs aux actes et à la conduite des accusés. Premièrement, jamais n'a été dans notre intention de revenir sur ce point. Et je tiens à noter la particularité de l'exercice de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Nous avons un témoin aujourd'hui qui est venu avec le statut de témoin factuel, puisqu'il n'a pas souhaité déposer en tant qu'expert. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de son travail, que ce soit en tant que chercheur, que ce soit en tant que membre du bureau des coachs d'instruction ou du bureau des procureurs, il a été amené à prendre un certain nombre de déclarations. Des déclarations qui ont été utilisées par monsieur le coprocureur dans le cadre de son interrogatoire, puisqu'il s'agissait de confirmer qu'ils ont bien été utilisés comme des bases et comme des sources dans le cadre des écrits de monsieur Eder. Dans ces conditions, et parce que on se réfère au contenu de la déposition de ces témoins ou de ces personnes dans le cadre de notes de bas de page, notre seule façon soit d'avoir des informations sur les autres éléments que M. Eder a, c'est de le confronter à d'autres documents, puisque par principe, nous ne pouvons pas lui poser des questions comme à un expert. Je prends l'exemple. Si je n'étais pas partie du document de la déclaration de Thun Prasit à laquelle le témoin a eu accès, je n'aurais pas pu avoir de base suffisamment solide pour parler de façon plus générale des autres éléments qu'il a pu avoir en sa possession. Encore une fois, il s'agit d'une technique de l'interrogatoire de M. Eder en particulier, qui est suscitée par la particularité de son parcours, qui est qu'il n'est pas, à part pour la période de 73 à 11 avril 75, témoin des faits, mais qu'il faut qu'on puisse lui faire parler du contenu du dossier sans lui poser de questions comme à un expert. Donc c'était le seul moyen, en utilisant des documents qui sont au dossier et dont il a connaissance, de lui faire parler de choses plus général dans le cadre des enquêtes qu'il a menées. Ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Chambre, ce n'est pas de considérer les documents que nous avons cités comme étant le témoignage de Monsieur Eder. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse que M. Eder a donnée à la suite de la confrontation avec les documents que nous lui avons présentés. En un mot, quand je demande à M. Eder, est-ce que le fait que M. Thun Prasit ait indiqué que le poste de M. Kyo Sampan en tant que commandant des chefs armés, c'est des choses que vous avez entendues, et qu'il me répond oui, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce que M. Thun Prasit a dit, c'est ce que me répond M. Eder en m'expliquant que dans le cadre des enquêtes qu'il a menées, dans le cadre des personnes qu'il a interrogées, c'est un fait qui est sorti de ces enquêtes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas tant ce qui est dans les déclarations qui lui sont posées, mais c'est sa réponse qui est la conséquence du document que je lui demande de commenter qui est importante. Donc, que ce soit bien clair, l'utilisation des documents que nous avons effectués jusqu'à présent, c'est pour pouvoir avoir la déposition de M. Eder sur le point et pas la déposition d'autrui. Et notamment la déposition de M. Eder, mais aussi son expérience d'enquêteur dans les circonstances que nous avons déjà rappelées. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Chambre a déjà tranché sur la question. Donc il ne s'agit pas de revenir. En gros, ce que M. le coprocureur essaye de faire, c'est de revenir en disant « je ne suis pas rentré par la porte, je vais peut-être rentrer par la fenêtre ». Il n'est pas question d'aller dans ce chemin-là. Nous vous demandons, encore une fois, de prendre en considération que pour le moment, avec M. Eder, la seule façon que nous avons de procéder, c'est de pouvoir lui opposer des déclarations
des éléments qui sont au dossier avec, encore une fois, le seul but d'éliciter une réponse de sa part et d'avoir son témoignage à lui et non pas le témoignage d'autres personnes. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense qu'on pourrait aborder ce point à un autre moment. Il est 2h10, on mange encore sur mon temps d'interrogatoire. Ce matin, il y a déjà eu une demi-heure qui a été prise et je tiens d'ores et déjà à indiquer à la Chambre que je risque d'avoir les plus graves difficultés à terminer aujourd'hui. J'avais indiqué au tout début de la comparution de M. Eder que je demandais d'ores et déjà un supplément de temps. La demande n'en est que plus d'actualité. Je ne sais pas si mes confrères de l'équipe de Nunchia souhaitent également intervenir. Petite précision aussi, et j'en aurai terminé, puisque le nom a été cité Mme Kovani, alors qu'il me semble qu'elle avait un pseudonyme et que c'était la démarche de la Chambre, telle que rappelée par M. le Président ce matin. Mais en tout état de cause, je rappelle qu'elle figurait à l'initiale sur notre liste de témoins que nous souhaitions entendre. Donc ça, c'est un autre point de précision. Mais en tout état de cause, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas de faire entrer en preuve des éléments que nous soumettons aux témoins. Il s'agit de les utiliser comme moyen. C'est le cas, ce qu'on fait très traditionnellement dans le cadre d'un contre-interrogatoire, c'est de éliciter de la preuve de sa part. Et c'est ce que nous vous demandons de prendre en compte et non pas les documents que nous lui avons opposés en soi. Voilà. សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គសន្និការក្នុងនាមលោកនួនជាខ្ញុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីខ្ញុំលោកនួនជាសូមសិទ្ធធ្វើការកាត់សម្គាល់នៅពេលនេះមួយយ៉ាងខ្លីអរិយពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះស្រីអំពីកម្មវិធីដែលតុលាការសួរដេញដោលរូបលោកបាទលោកប្រធានអនុញ្ញាតគាត់បានរៀបចំរួចហើយ ចុះបញ្ហានៃការលើកឡើងរបស់ក្រុមដំណាងសាធារណៈអំពីការលើកយកឯកសារសាក់សីដែលកំណត់ហេតុដាក់ពីខេត្តកម្មសាធារណៈជាលិលិអសរដែលមិនបានកោះហៅមានត្រូវការលើកឡើងក៏កត់សម្គាល់អ្វីដែរទេទៅលើការលើកឡើងរបស់សាធារណៈ Just a very quick reply, Mr. President. We have just finalized a last draft of submissions on this very subject. The question raised by the prosecutor will, the answer to this question, we will incorporate in this final draft. Hopefully, we'll be able to file our submissions tomorrow or Friday on this very subject. ខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់នៅយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអង្គជំរះអនុញ្ញាតផ្ដល់ឱកាសជូនលោកនួនជាដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីការគម្រោងផែនការការវិភាកសំណាកការក្នុងការសួរចម្លើយគាត់ដែលអង្គជំរះក្រុងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះ សូមជ័យលោកនួនជាសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅការជូនដំណឹងថ្មីមួយទៅលោកលោកស្រីចៅក្រម ដោយដែលខ្ញុំតែងតែបានលើកឡើងមកហើយថាតុលាការនេះមិនបានគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃការកាត់សេចក្តីដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេខ្ញុំបានសង្កេតឃើញការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាប់ចោតក៏ដូចជាក្រុមមេធាវីការពាររបស់ខ្ញុំ វិវត្តពីអាក្រក់ទៅកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀត
khnyom ko os chumnue ning tolaka ni doy lok khieu samphon dae ka proprit robos tolaka mok leu khang jeung khnyom keu nou phop makhang hai khang prereich anya keu nou phop makhang chiak sdaeng doy che nou pel thmey ni mê thơ vi robos khnyom trâu ban cắt đách mình oi xua sông nua chia xa ra thiết đám bay đọc sài bần túc mộc lơ rụp nhôm nụ tê ní chia phép á dút tì thơ mùi đà rìa răng mình oi mê thơ vi rô bọc nhóm bòm pinh nô tu nê tí cà bìa nhóm đòi pinh linh ní chia rương cái đây ní á dụ chi vết rô bọc nhóm mình mên chia cá thưa lum lum ôi tê chắp là ha đồng bây đã tốt nhóm nụ tê đôi phép ô chung nưa nâng pro prích đôi lâm yên bà ní nhóm xôm chún đâm năng thà nhóm mình trái tốt tâu nâng xôm nu rồi bọc bà rì à nhá nâng phép kì nê nê nâu nông tù la ca đại mình giúp tê thôn nì tê nông kìa ní ca pít dứt tới thô nâng miên bà giáo trâu bán bóng phán đôi tổ la cà sốm ọ cùn xuống kê lục đồng nàng sắp đi nhá. Thank you, Mr. President. I'll be extremely brief. I rise in response to this statement by Noon Chia and to restate our request now in relation to Noon Chia himself, as we have done in relation to Khieu Samphan, an accused who takes a stand and gives evidence in a trial, thereby waives his right to silence. In such circumstances, a refusal to continue to answer questions can properly, and in this case, now should, lead to adverse inferences being drawn against him in your consideration of the evidence. I want to inform the Chamber now, because this filing is in progress and it may or may not have reached Your Honours, that we have just recently, yesterday afternoon I believe, filed a response to Khieu Samphan's notification of his withdrawal from testimony, formally requesting Your Honours to draw negative inferences against him, and secondly, asking Your Honours to give us an opportunity to state in open court, in Khieu Samphan's presence, those matters of fact as to which we will invite Your Honours to draw negative inferences. If I can now extend that application to Noon Chia as well, and perhaps as a scheduling matter, this is an appropriate time for Your Honours to consider it, given that it appears following Mr. Hedder, we may well not be hearing any more witnesses in this trial. Thank you, Your Honours. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très brève aussi. Je voudrais simplement indiquer que, même si je suis consternée de ce que je viens d'entendre dire, je n'en suis pas du tout étonnée. J'étais persuadée que cette attitude serait adoptée par M. Noon Chia comme elle l'a été par M. Khieu Samphan, et je le regrette infiniment. Mes commentaires sont les mêmes que ceux que j'ai faits pour M. Khieu Samphan. Je voudrais peut-être simplement en ajouter un. J'ai remarqué que depuis quelque temps, petit à petit, les accusés et leurs équipes de défense se posaient en victime dans ce procès, et par exemple, les équipes de défense qui nous obligent à appliquer des règles sur la portée du procès, sur le fait de respecter qu'une personne est témoin et non pas expert, sur le fait d'être obligé de citer des références. Cette même défense, quand il s'agit d'elle, dit publiquement que quand on lui impose les mêmes règles, elle est simplement empêchée de parler et que nous ne respectons pas le principe du contradictoire. Je trouve que c'est déloyal
Je trouve que c'est injuste, je trouve ça incorrect, et je trouve qu'il est bien dommage que ces positions soient aujourd'hui adoptées, aussi bien par les accusés que par leur défense. Merci, Monsieur le Président. Sur le sujet, je pense que mon client s'est déjà exprimé. Il y a eu des observations écrites en ce sens et nous avons déjà exposé la position de Monsieur Kyo-Sampan. Quant à la demande de Monsieur le procureur international d'avoir une tribune pour plaider avant les plaidoiries finales, je m'y oppose avec force. Dans le cadre de leur plaidoirie finale, les procureurs souhaitent plaider sur le sujet. Ils plaideront ce qu'ils voudront et nous répondrons. Mais le lieu, à ce moment-là, pour parler des inférences que vous devrez prendre dans le cadre de vos... de votre délibération et de votre verdict peuvent tout à fait attendre les déclarations finales. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'audience particulière. S'ils veulent faire des requêtes, qu'ils les fassent, on y répondra éventuellement. Mais le moment des plaidoiries est, à mon sens, le moment des plaidoiries finales. Thank you, Mr. President. Extremely briefly, I do apologize for holding up the proceedings on this. The reason for that application indeed has to do with the application of law as to adverse inferences. Our intent is to make sure that there can be no complaint by this defense, by either of the two defendants on appeal, that Your Honours did not put them on notice of the exact facts as to which inferences may be drawn. And that's the reason for our application. It is not to sensationalize this issue. It is to ensure that both accused are properly informed as to the issues that on which adverse inferences are being requested and on which Your Honours may draw negative inferences before the door in this trial for them to give evidence is finally closed. So we make this application out of both fairness to the accused and ensuring that notice is given to them, but also, frankly, out of fairness to victims and all the other participants in this proceedings. It is important for the accused to hear that statement so that when the proceedings closed, there can be no suggestion that there was any doubt in their minds as to what we are asking your chamber, Your Honours, to consider in your deliberations. Thank you, Mr. President.
Thank you, President. The Chamber notes the observation by the prosecutors concerning the reference by other parties to witness statements where those witnesses have not been called to testify before the Chamber, and it notes that it will deal with this matter if necessary in the verdict. Kyosampong's defence team has indicated that it may wish to have further time to examine this witness. That is a matter that will be decided before we adjourn for the day, and again depends on relevance, repetition, and other relevant matters. Thank you, President. I think that's the extent of our discussion. ក្រុមវិការពីក្រីលោកខៀវសំផនដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះរដ្ឋសភាស្ទីវហេដឺ Merci monsieur le président. Monsieur Hubert, rebonjour. Loreda, je me souviens de même dans le tien. Je reprends là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire au document 19.71. Je voudrais maintenant citer un autre passage de ce document, c'est le dernier document 19.71. C'est bon, je vois que vous l'avez. La page en anglais qui m'intéresse est le 00897 68. En Khmer, 00602370. Et je demanderai que l'on puisse afficher la page à l'écran. Et en français, 00614089. En français, il s'agit du troisième paragraphe de la page, et voilà ce qui est indiqué. Je précise, Monsieur Eder, que la citation est longue, parce que j'entends commenter tout le paragraphe, donc je vais le scinder en trois parties pour pouvoir poser mes questions au fur et à mesure. Première partie, donc. Bref. Les intellectuels qui travaillaient à Phnom Penh n'avaient aucune idée de la famine et des exécutions qui avaient lieu à la campagne. En 1976, alors que nous mangeions du gros à Phnom Penh, nous pensions qu'il y avait peut-être des pénuries de nourriture à la campagne. Mais en 1977-1978, nous avons pensé que ça allait mieux, comme c'était le cas à Phnom Penh, notamment parce que c'est ce qu'ils disaient à la radio. Il y avait aussi des articles avec des photographies dans les magazines. Fin de citation. Sur cette première partie de la déclaration, je souhaiterais savoir si vous avez eu l'occasion, dans le cadre de votre travail et de chercheurs et d'enquêteurs au sein des bureaux des juges d'instruction et des coprocureurs, si vous avez eu l'occasion de vous entretenir ou de lire des documents relatifs aux intellectuels vivant à Phnom Penh et au fait qu'ils n'étaient pas informés de ce qui se passait à la campagne. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez eu connaître dans le cadre de vos activités? Speaking with regard to, and it's clear from the rest of the paragraph, this is what Coveney is talking about.
with regard to non-party intellectuals effectively confined to Phnom Penh. There are certainly some other cases of such people having said similar things to me. And I think there are also some contrary instances of people in that category saying that they were considerably more aware of the situation in the countryside, and the determining factor, as I recall from what people have said, is what is suggested here, which is the, in some instances, those people in that category did have the opportunity to visit the countryside or were visited by people from the countryside, who gave them a different indication about what the reality was than this person has described. But certainly there are others who have given accounts similar to this person. The person's in the same category. Je poursuis dans la lecture puisque ça va nous amener à approfondir la question. Suite donc du même paragraphe au même ERN. Alors nous pensons que tout allait bien. Pour ce qui est des gens du parti, c'est difficile à dire. Ils sont allés dans les campagnes et ont écrit des rapports à leur retour. Je ne sais pas s'ils ont vu la situation réelle ou s'ils ont dit la vérité à leur hiérarchie. Il semblerait que lorsque la hiérarchie supérieure du parti est allée dans les campagnes, les cadres des coopératives locales ont fait le ménage, ont présenté des tables remplies de nourriture et ont écarté les gens qui étaient malades ou maigres. Fin de citation. Sur ce deuxième point, alors, là encore, hein, je vous pose toujours les questions, c'est toujours une base, mais le but c'est de savoir ce que vous avez pu recueillir comme information dans le cadre de vos activités, dans votre expérience, des éléments factuels à l'appui de ce dossier, ou de vos recherches dans le cadre de la rédaction de vos articles. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'informations, est-ce que vous avez reçu des documents ayant trait au fait qu'il y avait effectivement du côté de certaines coopératives locales et de certaines campagnes une façon de dissimuler à la hiérarchie la situation exacte lorsqu'il y avait des visites? Yes, there are many accounts given of the creation of a false facade on those occasions when people from the center or people from the top, if you will, visited the grassroots. And, I mean, for example, yesterday I happened to be in a car with someone who recounted that exact scenario. He was in a cooperative in the countryside. They were visited by people from the top, and indeed the local cadre arranged this beautiful scene for them to see. Those accounts differ in the extent to which the people who spoke to me inferred that this creation of a facade was successful in making those who came from the top believe that the situation was as presented or not. But yes, certainly the attempt to create such facades, whether believed or not, was fairly common, quite common. Je continue pour être complète. Troisième paragraphe. Cette personne que vous entendez donc continue en indiquant: on ne peut pas dire toutefois que le sommet de la hiérarchie n'était pas au courant, parce que dans les documents du parti, il y avait des instructions sur la manière de débrouiller la mise en œuvre du projet.
Par exemple, il était indiqué qu'à certains endroits, les cadres n'avaient pas préparé de bonnes commodités pour les brigades mobiles et que de ce fait, lorsque les brigades mobiles arrivaient, elles n'avaient aucun endroit où loger. On disait aussi qu'à certains endroits, les gens n'avaient pas suffisamment de repos et que les gens ne devraient pas travailler aux heures les plus chaudes de la journée ni pendant la nuit. Fin de citation. Sur ce troisième extrait, ma question est la suivante. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, lectures de documents ou d'entretiens que vous avez eu à mener pour les recherches factuelles dans le cadre de votre travail auprès des co-juges d'instruction et des co-procureurs, est-ce que vous avez vu des éléments en main permettant d'indiquer qu'il y a eu, quand certaines informations sont remontées, des instructions pour changer un comportement au niveau local qui ne convenait pas? Est-ce que vous avez eu à connaître de cela dans le cadre de votre travail? Yes, both before, during and after my work at the court, both again and both in official documents produced presumptively at the center level and in accounts given to me by people in interviews, both with regard to the issuing and the reception of such instructions. Je vous remercie. J'en ai terminé avec ce document sur ce point. Je voudrais en venir maintenant sur les documents que vous avez eu à consulter et sur lesquels vous avez travaillé lorsque vous étiez soit au bureau des co-juges d'instruction, soit au bureau des co-procureurs. Premièrement, c'est une question qui me paraît stupide, mais je vais quand même la poser pour qu'on pose bien les bases de mes questions suivantes. Est-ce que, en dehors de votre travail préalable sur le Kampuchea démocratique, est-ce que le fait que vous parlez Khmer a été un critère important dans votre embauche au sein des CETC? Sorry, I didn't quite catch the question. Maybe there was some slippage in the translation. Wasn't clear to me. Il n'y a pas de souci, je vais répéter peut-être plus doucement. Est-ce que le fait que vous parlez Khmer a été un critère important dans le cadre de votre recrutement pour travailler au sein des CETC, en dehors du travail antérieur que vous aviez fait sur le Kampuchea démocratique? Very much presume so, yes. Certainly, those who made the hiring decisions were fully aware of that background. Vous avez procédé à quelques auditions de témoins dans le cadre de ce dossier. Est-ce que lorsque vous interrogez ces témoins, vous interrogez directement en Khmer ou est-ce que vous bénéficiez de services d'interprète en plus au cas où? No, directly in Khmer,
always in the company of a, if you will, a Cambodian co-investigator. So the business was conducted by myself and my co-investigator, Cambodian co-investigator, entirely in command. Dans le cadre de vos fonctions au sein de ce tribunal, que ce soit au bureau des co-juges d'instruction ou au bureau des co-procureurs, est-ce que vous avez eu accès à l'intégralité du dossier dans le cadre de la tenue de vos enquêtes et dans le cadre des entretiens ou des recherches que vous aviez à faire? I think so, of course, with the exception, if I recall correctly, of those categorized as strictly confidential, which, to which access is not widely given, not given in general the way everything else is. Sur le point spécifique des documents confidentiels, ce n'est pas ce qui m'intéresse a priori. Au niveau des procès-verbaux disponibles du comité permanent, est-ce que vous les avez tous lus et consultés à un moment ou à un autre? All is a big word, but I think it's probably safe to say that I read virtually all the evidentiary documents. Frankly, some of the procedural stuff I didn't pay attention to, but the evidentiary stuff. The font is known in French, I think I read virtually everything. Je voudrais d'abord donc évoquer des documents dont je sais qu'a priori vous avez eu connaissance puisque vous les avez cités en note de bas de page dans un de vos articles. Et l'article en question est le document E3-3169 et le RN en français est le 007-22-07-3. Le RN en Khmer est le 00-71-1381. Et le RN en français est le 00-722-073. Le, vous avez mis bien évidemment des références de date et là je m'intéresse à la page que j'ai citée, à la note de bas de page 33 et comme source de ce que vous évoquez, à savoir les procès-verbaux des réunions de comité entre 1975 et 1976. Vous citez les procès-verbaux des réunions du comité permanent réunis les 2 novembre 1975, 22 février 1976, 11 mars 1976, 17 mai 1976 et 30 mai 1976. Et vous indiquez que elles indiquent ces procès-verbaux, pardon, indiquent tous la présence de Khieu Samphan et que ces documents vous ont été aimablement fournis par David Chandler. Je voudrais vous communiquer en Khmer les procès-verbaux que nous avons au dossier qui correspond à ces dates-là, et je voudrais que vous nous confirmiez que c'est bien de cela, en tout cas ce que j'ai pu
retrouver, identifier qui m'intéresse, que c'est bien de cela que vous avez parlé dans cette note de bas de page, et par la suite vous posez des questions par rapport aux enquêtes que vous avez pu mener. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse donc remettre le document. Le premier document, c'est E3-229, qui est le procès-verbal de la réunion du comité permanent la nuit du 22 février 1976, qui donc a priori serait un document cité en note de bas de page. Avec l'aide de M. l'huissier, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document à M. Heder, et je poserai ensuite mes questions. La page qui m'intéresse est la première page, a priori, dans toutes les langues. Donc, en français, 00334958, en khmer, 00000713, en anglais, 00182625. Avant de vous poser des questions plus précisément sur le contenu, je voudrais savoir si vous avez pu parcourir le document et me confirmer que ça fait partie d'un des procès-verbaux que vous avez cité dans la note de bas de page que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la 33 sur le document E3-31-69. Bon, en français, je n'ai de toute façon pas d'annotation, donc je ne vais pas vous poser de questions dessus. Je voudrais m'intéresser à la partie ordre du jour, les problèmes de défense du pays, et notamment au grand 1, intitulé « Les comptes rendus au sujet de la situation de défense du pays ». Petit 1, la situation à la frontière de l'Est. Et je lis le premier paragraphe. Le super camarade Kieu rapporte: depuis le mois de février, les Vietnamiens ont mené des opérations puissantes le long de notre frontière du côté Est, notamment à Ratanakiri, à Svay Rieng et à Kham Sam Nor. Ils sont venus se positionner sur notre territoire à 200 mètres ou à 3 km de la frontière. À certains endroits, ils ont illégalement déplacé les bornes frontalières. Quand nous les avons chassés, ils ont reculé. À d'autres endroits, ils sont venus se positionner dans les anciennes casernes de ce nom, avec des hommes au nombre équivalent à une section, voire une compagnie. Ils ont dit que leur comité central leur a ordonné d'y venir. Fin de citation. Ma question est de savoir, je vous laisse peut-être le temps de terminer de lire. C'est bon. Donc ma question est de savoir si dans le cadre des enquêtes ou des recherches que vous avez eu à effectuer, que ce soit dans votre travail de chercheur ou que ce soit dans le cadre d'enquêteurs au sein des bureaux, des coachs d'instruction ou des co-procureurs, est-ce que vous avez eu en main d'autres éléments documentaires ou des entretiens de personnes qui se trouvaient dans la région envisagé, c'est-à-dire à la frontière de l'Est, qui vous ont évoqué ces incursions des troupes vietnamiennes, en tout cas ces problèmes frontaliers? Est-ce que ce sont des choses que vous avez eu à connaître
dans le cadre de vos activités. Yes, to some extent. Est-ce que vous pouvez préciser si c'était dans le cadre d'autres documents? Est-ce que c'était dans le cadre d'entretiens et à quel moment, si vous vous en souvenez, vous avez mené ces entretiens et à quel endroit, si vous vous en souvenez également? In terms of documents, although I can't be specific about the exact time frame, there are certainly either telegrams or reports from the eastern side of Cambodia describing what the telegrams or reports say are Vietnamese incursions into what is claimed to be Cambodian territory. With regard to interviews, to my recollection, at least in my day at OCP, in my day at OCIJ, I don't recall anything specific about this. However, in the interviews I did, in the period between 78 and 84, and in the interviews in which I was involved in doing in 2005, there are oral accounts of these kinds of events. And again, whether we're talking specifically about February 1976 and these particular locations, that's a finer distinction I'm not sure I can make. But in broader terms, yes. Pour rebondir sur la question de la date, vous avez indiqué que ce n'était pas forcément le 22 février 1976. Est-ce que vous avez le souvenir si ces problèmes frontaliers ont eu lieu également à d'autres moments de la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que c'était circonscrit à une année ou est-ce que ça s'est déroulé à d'autres moments? Toujours à la lumière de ce que vous avez eu en main et ce que vous avez entendu dans le cadre de vos activités. Je me répète, mais que ce soit bien clair. Well, setting aside the difficulty of disentangling the question of presence of Vietnamese military forces inside Cambodia in a context where it's not described as in territorial encroachment on the one hand and instances in which it's described as in territorial encroachment on the other, because sometimes people made that distinction. There are accounts right from the before 1975, before April 1975, through 75, 76, and 77. And of course in the latter part of 77 and continuously thereafter, there is fighting back and forth across what I think both sides would recognize as some place that's the border. So in interviews and in official documents, internal documents, particularly post-75 for the internal documents, I don't recall any internal documents from before 75. This is happening on an increasingly large scale, right from pre-April 1975 through to 7 January 79.
Monsieur le Président, je ne sais pas, je souhaite passer à une autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on marque la pause maintenant ou si vous souhaitez que je continue. បាទអរគុណឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលសម្រាប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសហការកម្មការឯមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការមកមកដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំរំញាប់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងវេទទួលសម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សហការកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សហការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះ